La crise libyenne n'en finit pas. Les affrontements se multiplient et les rebondissements se succèdent. Le dialogue entre les forces ralliées au général Khalifa Haftar et les milices islamistes semble hors de portée. Ce mercredi matin, encore deux détonations avaient été entendues aux alentours de Benghazi. Le manifeste de M. Haftar hier dans la télévision, il disait que dans son programme, il y a deux questions. La première question, il veut le retour de la sécurité et de l'économie au pays. La deuxième question, c'est combattre les mouvements islamistes extrémistes. Après l'attaque du Congrès général national dimanche dernier, le colonel Mokhtar Fernana avait annoncé la suspension du CGN, bloquant ainsi la formation du nouveau gouvernement d'Ahmed Mithig. Il a l'intention de dissoudre d'une manière ou une autre le Parlement, c'est pour faciliter les négociations pour les prochaines élections, c'est-à-dire maintenant. Malgré l'annonce de la suspension du CGN, ce dernier tente un retour sur la scène décisionnelle en annonçant la tenue d'élections législatives le 25 juin. Toutefois, le ralliement de nouvelles milices à l'opération Dignité du général Haftar et la poursuite des affrontements risquent de repousser cette échéance.